Salut à tous, c'est Ashana. Donc cette fois-ci, on se trouve sur une vidéo sur WoW. Donc comme promis, chose due, je vais faire l'énigme de Rollo. Donc là, j'ai pris mon DK. Donc il faut trouver le premier indice. Donc on était vers le camp Ali. Donc le premier indice est très facile à trouver en fait. Donc quand on regarde, l'indice se trouve dans cette zone-là. Et en fait, c'est tout bête. D'accord, je me coince en vous montrant, c'est pas génial. Donc, on est bientôt arrivé. Donc, ça vous permettra d'avancer dans votre quête si vous ne savez pas où vous, si vous n'avez pas trouvé le premier indice. Parce que c'est pas forcément évident à trouver dès le premier coup. Donc, voici le premier indice. Donc, je vais le récupérer. Au passage, ça fait quelques PO. Et il nous faut résoudre la deuxième, enfin, trouver le deuxième indice. Donc là, celui-là est un petit peu plus embêtant à trouver. Enfin, pour y accéder, c'est un petit peu plus embêtant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un maximum pour faire la quête assez vite, pour arriver jusqu'au final. Donc, on arrive au second indice, donc il vous faut aller là où il y a les mobs. Qui ressemble à Ordos. Là, j'ai pas le nom sous les yeux. Hop, les maîtres fours éternels. Donc, on va essayer de faire le tour, d'essayer d'en aggro le moins possible. Enfin, de les contourner, c'est pas évident. Et j'en ai aggro, hein. Et mince. Donc, le deuxième indice, je le fais au plus vite. Et je me tire. Vous avez bien vu, c'est au fond. J'adore fuir et tout aggro. Donc maintenant, on va faire la dernière partie. La dernière partie, oui. Donc la dernière fois, j'avais fait une vidéo pour trouver le fardeau et je vous avais montré, enfin expliqué sur une île où il y avait un lac de rubis, enfin en hauteur, excusez-moi, et il y avait justement le coffre. Donc là, on va y accéder. En même temps, je vais vous montrer pour l'albatros. Donc il faut bien le taper. Donc j'espère qu'il y en a un à apporter parce que c'est vraiment en fait le plus long, c'est d'attendre qu'on soit arrivé. Et pile poil, j'en tombe sur un. Ce sol n'est pas encore fait. Non, il y a déjà du monde. C'est pas grave, je vais le prochain, il y a déjà quelqu'un. Donc celui-ci sera à moi. Allez, allez, arrive. Je dois m'approcher. Allez, on se dépêche. Je suis trop loin. Ils sont longs, mais ils sont longs. Je ne peux pas encore. Voilà, l'albatros vous prend dans son bec. Et on peut partir pour un moment. Puisqu'il vous faut atteindre ici. Donc il va faire tout le contour pour arriver là. C'est magnifique. Si en même temps on pouvait coïncider avec le pop de Garnien, ce serait pas mal. Mais je n'y crois pas trop. C'est long, c'est long, c'est long. Donc, en parlant de l'île figée, donc il y a plusieurs coffres cristaux. Donc, si vous prenez un albatros ici. Là où je survole, il y a un coffre normalement, donc je l'ai déjà pris. Donc je vais pas pouvoir, je vais pas descendre de mon albatros, ce serait un petit peu embêtant de refaire tout le chemin juste, ou d'attendre encore un albatros, déjà que c'est bien assez long, je crois qu'ils auraient pu mettre une vitesse supérieure sur ce machin, s'il n'y a pas de coffre à proximité, ou si on le tape spécifiquement, je sais pas, ils auraient pu faire quelque chose quoi. Parce que c'est horriblement long. On a le temps d'écouter une musique, d'aller... de faire quelque chose à côté, tranquillement. J'ai le temps d'allumer ma DS et de faire quelques rencontres sur Pokémon. Hein. J'ai largement le temps. Ce qui est vraiment embêtant, quoi. Parce que si on fait quelque chose à côté, souvent, enfin, la plupart du temps, on passe à côté. Mais bon, là où il faut aller, ça va. J'y ai de l'espace, donc je peux me réveiller quand même quelques secondes en retard, on va dire.
Donc la prochaine, tant que j'y suis parce que j'ai du temps pour parler, je vais vous parler pour la prochaine vidéo. Donc ce sera la vidéo sur la jeu de Guild Wars 2. Donc je vais la faire d'ici peu parce que c'est, disons qu'au niveau des astuces, c'est, j'avais commencé, j'avais à peu près une soixantaine de PO à la dernière vidéo à peu près. Et là en fait je m'y retrouve avec quasiment plus de 200. C'est un truc hallucinant je trouve. Donc je vais vous faire part un petit peu de tout ça, qu'est-ce qui peut être pas mal également au niveau des sur Guild Wars 2. Je vais peut-être faire quelques events également, bon, des events classiques ou dynamiques. Après, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, réactualiser un petit peu la vidéo sur la gestion WoW, parce que bon, c'est en effet l'astuce au niveau de la calligraphie, ça ne marche plus. Donc j'essaie des choses nouvelles, mais bon c'est vraiment par rapport au craft. J'ai trouvé aussi un à deux spots de farm très intéressants si vous voulez du tissu, enfin de la braise soie pour être précise, c'est-à-dire ce qu'on utilisait à Kata, qui vaut une petite fortune. Donc pour une heure de farm récolter plus de 2000 PO, c'est fait. C'est approuvé, je vous montrerai quelques astuces, qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Et un à deux endroits de farm, donc un qui est connu et l'autre qui l'est peut-être un petit peu moins, qui vous permettra d'y aller en disant bon ben tant pis, s'il y a quelqu'un, je peux aller autre part. Donc deux endroits qui marchent pas trop mal. Donc ensuite le let's play sur Aion, faudrait peut-être que je m'y remette. Parce que c'est avec les soucis de santé, la paperasse, les fêtes arrivant, je cours partout. C'est encore pire que quand je travaille, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc ce qui est quand même assez hallucinant. Donc après, au niveau des vidéos sur Pokémon, ben, j'attends de voir au niveau des Shiny quand ça tombera. Mais je compte faire quelques vidéos aussi, par exemple, sur le Motisma, comment on le change de forme, parce que c'est pas évident. J'ai mis un petit moment avant de me rappeler où c'était et de trouver, merci Internet. Donc je ferai tout ça sous peu. Donc pour les fêtes, j'essaie de... Enfin, il y a une vidéo qui est prévue, qui attend d'être juste mise en ligne. C'est une vidéo de test avec Arzy sur Chivalry. Donc, faudrait peut-être que je me réveille. On est arrivé au bon endroit. Donc il y a plein de choses en prévision. Donc j'espère juste avoir assez de temps pour le faire rapidement. Donc pour l'instant, les vidéos sur Magic et les cartes Pokémon sont un petit peu en stand-by. Parce qu'il faut de l'argent. Et que pour l'instant, j'attends tout simplement d'avoir des sous. Donc non, je regarde pas d'élite à côté de moi. Donc on va finir cette quête. Tiens, en parlant de cartes Pokémon, j'ai oublié de dire que je n'ai pas eu de MP pour au niveau des codes. Donc du coup, je les garde pour une prochaine fois. Donc voilà, le dernier, la quête, l'endroit, enfin le coffre pour valider la quête. Donc là, je suis en plaque. Donc là, c'est vraiment le sac est lié au compte, la pièce aussi, donc on ne peut pas l'envoyer sur votre rôle. Donc je vous conseille vraiment de prendre le stuff qu'il vous faut. Hein. Et voilà, et en plus de ça, ça vous fait l'énigme de Rollo. Donc vous l'avez validé. Donc si vous ne saviez pas où était le premier ou le deuxième, où se trouvait le coffre, et bien voilà, c'est chose faite. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, puisqu'on approche quand même. Et je vous souhaite une bonne chance dans vos quêtes, d'avoir des PO. Et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo, et sûrement sur Guild Wars 2.